Comment faire pour arrêter de chanter faux? Alors, tu sais, je t'en ai déjà parlé, chanter faux, j'aime pas trop cette appellation, mais bon, voilà, c'est ce qu'on utilise dans le langage courant, donc je vais l'utiliser aujourd'hui et je vais t'expliquer eh bien ce qu'on peut faire, comment on peut déjà un petit peu décortiquer pour savoir d'où vient le problème qu'on peut régler. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les hommes et les femmes à chanter, à développer leur voix et je le fais notamment à travers cette chaîne YouTube. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de recevoir des alertes à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ainsi, tu ne rateras aucun de mes conseils et en plus, tu seras alerté lorsque je serai connecté en direct sur cette chaîne. Ça nous permettra de pouvoir échanger et que tu puisses me poser toutes les questions que tu souhaites via le chat et je pourrai y répondre directement à la caméra avec grand plaisir. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on pourrait chanter faux justement. On va décortiquer un petit peu la chaîne. Alors, la première cause, eh bien, ça pourrait être déjà l'oreille. C'est-à-dire que on n'entend pas bien tout simplement et du coup, ce défaut d'audition eh bien, entraîne de l'injustesse parce que finalement, on ne se rend pas compte du son qu'on doit faire et auquel cas, eh bien, ça sera compliqué pour nous de le refaire. Donc ça, c'est un petit test que tu peux faire. Est-ce que par exemple, quand tu entends une chanson, est-ce que par exemple, si je te passe une autre chanson, est-ce que tu vas pouvoir entendre que ce n'est pas la même chanson par exemple? Ou si je te joue deux fois la même mélodie, est-ce que tu sauras reconnaître que c'est la même ou pas? Alors, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le reconnaître. Ce sont les personnes qui sont touchées par ce qu'on appelle l'amusie. Ça représente un très faible pourcentage de la population française, mais c'est peut-être ton cas et tu peux à ce moment-là passer le test du laboratoire lyonnais qui s'occupe de ça. Donc, tu peux taper test laboratoire Amusie et puis tu tomberas sur ce test en ligne. C'est une trentaine de fichiers à écouter. Je l'ai déjà fait d'ailleurs passer à des personnes que j'accompagne. Une fois que tu auras vérifié que bien que ton oreille en fait perçoit bien la musique tout simplement que tu as chantée, on va vouloir savoir si tu traduis correctement les choses. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand la mélodie va dans les aigus ou quand elle va dans les graves, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu sais reconnaître ça? Ou est-ce que pour toi, voilà, c'est une mélodie, tu peux la reproduire, mais tu ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de la musique. Tu ne sais pas trop si ça va dans les aigus, si ça va dans les graves. Si je te joue deux notes, est-ce que tu sais reconnaître si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première? Donc, il y a ça, tu vois, aussi à vérifier. Donc, ça, tu peux le faire tout simplement avec un piano. Plus les notes vont être sur ta droite, eh bien, plus elles seront aiguës, plus les notes seront sur ta gauche, plus elles seront graves. C'est comme ça que ça se passe quand tu es assis pour toi derrière le piano. Donc, ça, eh bien, tu peux le tester aussi très facilement. Ensuite, la question qui va se poser, c'est OK, donc ton cerveau arrive à reconnaître les notes et il va envoyer du coup l'information à tes muscles, aux muscles de ton corps pour générer le son avec ta voix. Et simplement, par contre, les muscles ne savent pas encore trop comment faire. C'est-à-dire que ton oreille entend bien la note que tu dois faire. Ton cerveau dit OK, donc ça, c'est une note qui est plus aiguë que la précédente. J'envoie l'information aux muscles. Il faut que vous fassiez une note plus aiguë que la précédente. Simplement, si tes muscles ne sont pas encore bien éduqués, eh bien, ils ne vont pas savoir comment générer cette note plus aiguë. Alors là, pas de panique, c'est simplement de la technique vocale. Tu vas mettre en place des exercices. Alors, tu en trouveras de nombreux sur cette chaîne YouTube et ça va te permettre du coup d'apprendre à tes muscles eh bien, comment traduire une note plus aiguë ou une note plus grave. Maintenant, il peut y avoir encore, une fois que tu as mis tout ça en place, un petit problème de précision. C'est-à-dire qu'effectivement, tu arrives bien à suivre la mélodie. Quand tu entends une note plus aiguë, tu vas chanter une note plus aiguë, mais ça ne va pas être tout à fait exactement la bonne note, notamment quand il y a un écart important entre les notes, eh bien toi, tu vas taper hop, un tout petit peu trop haut ou un petit peu trop bas par rapport à la note qu'on attendait. Donc ça, c'est simplement un petit problème de précision. Et là, eh bien, ce sont des exercices un petit peu plus avancés de technique vocale qui vont te permettre en fait de gagner en précision musculaire. Donc là, comme un danseur ou une danseuse qui va s'entraîner vraiment à faire de beaux gestes et des gestes précis, eh bien toi, tu vas pouvoir faire la même chose et être
précis avec les muscles de ta voix. Et plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir eh bien, taper la bonne note, rejoindre la bonne note avec précision et du coup être bien juste quand tu chantes. Voilà, alors si tu as des amis qui rencontrent cette difficulté de chanter faux, eh bien, tu peux leur partager cette vidéo, ça leur donnera des clés pour avancer. Et puis, si toi-même c'est ton cas, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Alors, des conseils comme ceci, moi j'en dispense tous les jours aux membres de mon cercle privé. Alors, mon cercle privé, c'est un groupe de chanteuses et de chanteurs dont tu peux faire partie encore gratuitement pour l'instant. Et j'envoie directement dans ta boîte mail personnelle des conseils quasiment quotidiens. Donc, si tu veux rejoindre ce cercle, eh bien, tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Tu laisseras ensuite ton prénom et une adresse mail et eh bien, dès demain, je t'enverrai des nouveaux conseils pour t'aider à développer ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. À bientôt. Ciao.